great how great thou art, then sings my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul.
it again. You are from. Chante. Seigneur des seigneurs est ici. Maintenant même. He's touching someone right il est en train de toucher quelqu'un maintenant. He's changing someone's life right here. Et il amène quelqu'un dans de bonnes choses maintenant. Someone is healed right quelqu'un now. Est guéri en ce moment même. Someone is delivered right now. Quelqu'un vient d'être délivré someone maintenant même. Is free right now. Quelqu'un est libre maintenant même. Bravo, Shatara. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Ouais. Oh. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant. Je suis né pour t'aimer.
Gloire à Dieu. Thank you very much. Merci beaucoup. You've been wonderful. Vous avez très bien chanté. I love you all. Je vous aime tous autant. And I know we'll do greater things together by the grace of God. Je sais que par la grâce de Dieu, on va faire de grandes choses ensemble. But I still need someone on the keyboard. Et j'aurais besoin que le clavieriste puisse continuer. Thank you, Daddy. Merci, Papa. Thank you, Mommy. Merci, Maman. I really appreciate your heart. J'apprécie vraiment votre cœur. To open up and receive me as your son. D'être ouvert et me recevoir comme votre fils ou l'un de vos fils. I know, Daddy, how you saw me growing up. Je sais comment papa vous m'avez vu grandir très jeune. And I appreciate for him to accept me. Et j'apprécie vraiment la manière à laquelle vous m'avez accepté. And I will always honor you as my father. Et tous les jours je vais vous honorer et en cela. Everywhere I will be, I will honor. Partout où je serai, je vous honorerai. And mommy, et maman, I don't know what to say without you. I cannot stand here as well. Je ne sais que dire, mais sans vous aussi, je ne saurais être ici. And you have been a mother to me. Et vous avez été une mère pour moi. And I will always be grateful. Et I will always be thankful. Et je serai toujours reconnaissant par rapport à cela. And I pray that you see the children of your children's children. Et je prie que vous voyez les enfants des enfants de vos enfants. Days are coming. Le jour vient. This nation. Cette nation. Including everybody. Et avec tout le monde ici. Will be led by the sons of Levite. Et les jours viennent avec tout le monde qui sont ici. Cette nation sera dirigée par un fils de Lévite. The Lord will use all of us. Dieu va utiliser le fils d'un Lévite et il va utiliser nous tous. And we will take this country to God. Et nous allons dédier cette nation à Dieu. I didn't hear you. Amen. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. And I thank all the pastors working with. Merci tous les autres pasteurs qui travaillent avec vous, papa. Je dis merci aussi à eux. I thank you for all you are doing close to papa. Et je vous remercie pour ce dont vous faites à côté de papa. And for all that you have done for us as well. Et pour ce que vous faites aussi pour nous. Can we read the scripture in the book of Proverbs chapter 23 verse 17 to 18? Nous lirons le livre des Proverbes 23 17 à 18. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Proverbes 23 17 à 18. C'est un moyen qu'on is the scripture is like talking to someone. C'est l'écriture et au fait genre ça parler ou ça te parle. Cette écriture s'adresse à toi. So I want us to read it together. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. And put yourself there. Et toi-même tu te mets dans le contexte de ces versets. Where they say let your heart say let my heart. Quand là où il est dit laisse que ton cœur, toi tu diras laisse que mon cœur. Is that okay? Est-ce que c'est bon? Okay, we read in three. Nous allons lire après avoir compté jusqu'à trois. One, two, three. Que mon cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et mon espérance ne sera pas anéantie. Je finis de prêcher normalement. Because that is preaching already.
Parce que ces versets, cette portion d'écriture t'a déjà prêché. I don't know what to say. Je ne sais plus quoi dire. Because that's what God wants someone to hear. Parce que ceci, c'est ce que Dieu aimerait que quelqu'un puisse écouter ce matin. That's the kingdom mentality. C'est cela la mentalité du royaume. The kingdom mentality. La mentalité du royaume. To be in the kingdom. Être dans le royaume. You don't have to envy sinners. Tu n'as pas à envier le pécheur. Don't envy sinners. N'envie pas les pécheurs. Being part of the kingdom of God, faire partie du royaume de Dieu, you should not envy sinners. Cela revient à dire que tu n'as pas à envier les pécheurs. That's the number one thing. C'est cela la première des choses. Don't envy sinners. N'envie pas les pécheurs. What is the Bible saying there? Ce que la Bible dit, you can see someone who doesn't pray, who doesn't believe, who doesn't come to the church. Tu peux bien voir quelqu'un qui ne prie pas, qui ne vient pas à l'église et who's not a Christian. Qui n'est pas chrétien. You see what he's doing is flourishing. Tu vois ce qu'il est en train de faire. Comment être développé ou fleurir. And your heart et ton cœur feels like I wish I was this person. I wish I was him. Ton cœur l'envie en disant si seulement j'étais cette personne. Is a sinner. Lui, c'est un pécheur. It does not believe in God. Il ne croit pas en Dieu. It does not pray. Il ne prie même pas. You don't have to envy that type of person. Tu n'as pas à envier ce genre de personne. Which means, cela vous revient à dire, God knows, Dieu connaît ou sait that in the world, que dans ce monde, we have people who are flourishing, but they are not Christians. Et nous avons des personnes qui avancent dans la vie mais qui ne sont pas des chrétiens. In physical, material, financial, they are progressing. Avoir dans leurs finances, dans ce qu'ils ont comme matériel, ils avancent ou ils progressent. But God says, mais Dieu dit, don't envy sinners. Ne les enviez pas, n'envie pas les pécheurs. You want to live a kingdom mentality, tu dois vivre avec la pensée, la mentalité du royaume. So you should not envy a sinner. Et cette mentalité t'interdit d'envier le pécheur. You should tell yourself, tu dois te dire à toi-même, I am better. Je suis meilleur. I am blessed. Je suis béni. I am protected. Je suis protégé. I have everything. J'ai tout en moi. Even if I cannot see it now, même si je ne le vois pas maintenant, I know I have it. Je sais que je l'ai. So then you cannot envy sinners. Et c'est alors que tu ne pourras pas envier le pécheur. How many of us? Combien d'entre nous? We sell maybe in our shops close to someone who does not pray. We do our business. Nous avons nos affaires ou peut-être nous vendons à côté de celles qui ne connaissent pas le Seigneur. And you see him, the things going very well. Et tu vois à côté il vend et tout ses marchandises est en train d'être liquidées et tout. And you start telling to yourself. Et dans ton cœur tu commences à te dire. This morning. Ce matin. I prayed before I come here. J'ai prié avant de venir ici. Last week, la semaine passée, I was in the church. J'étais à l'église. Papa said that if I believe, I will see. Papa avait dit, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. But I'm seeing nothing. Mais maintenant, là, je vends, je ne vois rien. But this man, mais cet homme ici, who does not even pray, qui ne prie même pas, who does not even believe in God, qui ne croit même pas en Dieu. Look at what is happening to him. Mais regarde ce qui lui arrive. God said, Dieu te dit, in the kingdom, dans le royaume, we don't envy sinners. Nous n'avons pas à envier le pécheur. I don't have to feel bad for what is happening in their lives. Je ne pas à me sentir mal à l'aise à voir ce qui arrive dans leur vie. Because I am in the kingdom. Parce que moi je suis dans le royaume, je suis ceux du royaume. In the kingdom, dans le royaume,
I have everything. J'ai tout ce qu'il me faut. So I don't have to envy. En cela, je n'ai rien à envier de cet homme pécheur. But listen, écoutez, Christians today, le chrétien d'aujourd'hui, they even took the envy in the church. Ils ont amené même l'envie jusque dans l'église. There's someone in the Bible. Il y a quelqu'un dans la Bible. In the name of Naboth. Son nom était Naboth. For those of you who are writing in the book of 2 Kings. Pour ceux-là qui écrivent, c'est l'histoire est reprise dans le livre de 1 Kings chapter 21. 1 Roi 21. If you read, you will see the story. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir l'histoire de Naboth. He had his vineyard. Il avait son champ de vigne. Close to the palace. Et c'était près du palais royal. And the king, King Ahab, saw it. Et le roi Achab, il avait vu ce champ de vigne. Envy entered his heart. Et l'envie est entrée en lui. He came to him. Il est venu vers Naboth. Say, can you sell me this? Il dira à Naboth, peux-tu me vendre ceci? Because it's close to my palace. Parce que c'est près de mon palais. And Naboth said, Naboth dira, I didn't buy it. Je ne l'ai pas acheté. It was given to me by my ancestor. Et cela est un héritage qui m'est légué de mes ancêtres. I cannot sell it. Je ne peux pas le vendre. Never sell your inheritance. Non, ne vends pas ton héritage. Ne vends jamais ton héritage. Never sell your inheritance. Ne vends jamais ton héritage, ce qu'on t'a légué. No matter the price that they give to you. Quel que soit le prix qu'on pourra te donner. Never sell. Jamais. Alors jamais vendre ton héritage. Whatever you've been given. Tout ce qui t'a été donné, never sell it. Ne le vends pas. You cannot sell your name. Tu ne peux pas vendre ton nom. Because your name is your inheritance. Parce que ton nom est un héritage. Many people have sold their names. Beaucoup de personnes, they've sold their names. Ils ont vendu leur nom. Because they want to look better. Parce qu'ils veulent paraître beau ou meilleur. They were calling you Chimanga when you were born. On t'appelait Chimanga quand tu étais né. But today you want to be called Chims. Aujourd'hui, c'est devenu Chims. Because Chims sound a bit better. Parce que Chims, ça sonne un peu mieux. That's selling your name. C'est là où tu as vendu ton nom. Your name is your identity. Ton nom, c'est ton identité. If you change Chimanga to Chims, you change your identity. Si de Chimanga tu deviens Chims, tu as changé aussi ton identité. Am I speaking to someone? Je parle à quelqu'un. Let me ask you a question. J'aimerais vous poser une question. Do you think if God wants to look for you, he will come to look for chimps? Vous croyez que si Dieu vient te chercher, il va chercher chimps? Il va chercher chimanga. Hein? Si Dieu venait aujourd'hui te chercher, il va chercher chimanga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous me pardonnez si ton nom c'est Chimanga aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as un problème avec Dieu. Mais moi, je parle. Dieu m'a donné le nom. Je parle de ça. Il ne faut pas vous énerver. Amen. Amen. C'est que vous êtes bénis. Amen. Que tous les Chimanga soient bénis ici. Amen. Ah, vous êtes jaloux de ce nom-là. Que tous les Chimanga soient bénis ici. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si les frères de Joseph ne pouvaient pas encore les retrouver quand ils étaient en Égypte parce que son nom avait changé.
si lui-même ne se révélait pas à ses frères, il n'allait pas savoir. Les noms gardent beaucoup de choses. Et quand tu changes ça, tu changes beaucoup de choses. Ce qui pouvait arriver, ils vont entendre, on l'appelle Joseph, ils disent, ah, on avait envoyé, vendu notre frère en Égypte. Est-ce que c'est, n'est-ce pas que c'est lui? Est-ce que tu peux t'apprécier à cause de ton nom? Appelle ton nom. Dis ton nom toi-même. Ce n'est pas ce que tu as changé là. Le nom que tu te connais. Là. Je vous dis vrai pourquoi. Vous savez, même nos parents, quand on change le nom, les papas, hein? Papa comme il est là avec maman, même quand les enfants changent le nom, dans son sommeil là, quand il va faire un rêve de ses enfants, le nom là qu'il t'a donné, ce qui sera dans sa pensée. Quand il va signer des papiers, il va signer avec le nom qu'il te connaît là. Parce que c'est ça le nom qu'il t'a donné. C'est comme ça avec Dieu. Quand il connaît ton nom, même si tu changes ça, ce que lui connaît, c'est ce qu'il connaît. Et je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne vend pas l'héritage. Ce qu'on reçoit, on ne le vend pas. C'est comme aujourd'hui. On prêche comme ça parce que c'est un héritage. On a crié en Dieu, mais nos papas sont des Lévites. Ils nous ont communiqué l'héritage de servir Dieu. Yes. Alors même si on mettrait l'argent à côté, avec les femmes. J'ai dit souvent à l'église et puis des fils, peut-être que je parle avec, si mon papa n'avait pas abandonné son travail, parce que mon père dans le temps travaillait à Lausanne, il était comptable à Lausanne. Au départ, il y avait une vie, tu sens que ça va, on respire. Mais quand il a abandonné le travail à cause de l'évangile, c'était un mauvais moment d'abandonner le travail à cause de l'évangile. Parce que les chrétiens de ce temps-là disaient, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux. Donc pour dire, si on voit les pasteurs avec chemise, sang de Jésus, là on dit, il a l'onction de Dieu. Il répète ça tous les jours. Les chaussures, hein, ça dit bonjour à tout le monde, gauche à droite. Là, c'est un vrai homme de Dieu. Aujourd'hui, bon, quand on parle du pasteur, ce n'est pas par rapport à cette pensée-là de ce temps-là. Pour dire que je pouvais refuser servir Dieu si je voyais ce qu'on a traversé. Je n'ai pas accepté de servir Dieu parce que j'ai vu que servir Dieu, ça donne quelque chose. Non. Parce que je sais que servir Dieu, c'est ce qui fera de moi ce que Dieu veut que je sois. Amen. Alors quand vous nous voyez servir Dieu comme ça, ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt à côté. Parce que je dis souvent, si mon père au bas âge avait tout cet argent là qu'il devait avoir s'il continuait à Lausanne, parce que je connais la position de mon père dans le quartier là où nous sommes. Dans les temps, on était parmi les trois familles qui avaient la télévision. Comprenez un peu, quand il y a des matchs, tout ça là, les quartiers viennent chez vous. Là tu fais un peu de fièvre, tu te mets devant la télé. Mais je ne savais pas que tout cela va finir quand papa va accepter d'abandonner son travail et de servir Dieu. Parfois, j'ai rentré à l'école avec mon uniforme de l'année passée parce que papa n'avait pas de moyen de m'acheter une nouvelle uniforme.
Aujourd'hui, tu peux me voir dire, ah, pasteur, elle a la couleur à souffrir. Hein? Alors, je vous dis vrai. Là, je rentre à l'école, je trouve mes amis Ketchasika. Chemise à Sika. Blé blanc à Sika. Je suis Kotara, na Ketchakala. Dans ton cœur, dit, ah, Zamboyo. C'est pas que papa ne travaille pas. C'est comme ça, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, ah Seigneur, donne-moi son onction. Quand je prie pour toi, Seigneur, que son père quitte le travail. Pourquoi tu veux la fin, mais tu ne veux pas le début? C'est l'héritage, l'héritage. Je ne peux pas vendre ça. Et je disais souvent, si papa avait beaucoup d'argent, ce qu'il devait peut-être, selon le monde, avoir. Hey, grand désordre. Moi, la manière dont je connais comment gagner les âmes pour Jésus, j'allais bien gagner les âmes pour Satan. J'aurais avoir des filles par-ci, par-là, l'Oyengi. Mais je suis l'Oyengi dans le Seigneur. Amen. Et je prie à quelqu'un ici, ne vends jamais ton héritage. Amen. C'est ce qui fera de toi ce que Dieu connaît que tu dois être. Amen. Pasteur, je sens l'onction de prêcher en français. Je vais essayer. On m'a dit que le vendredi, j'avais prêché en français, c'était bien. Ok. Merci. Acclamez pour vous. Pasteur Lé. Akab est venu plaider, supplier Naboth de vendre son champ de vigne. Il dit, je ne peux pas vendre mon héritage. Je ne peux jamais. L'envie d'un roi, un roi qui sert Dieu, mais l'envie, c'est que son peuple a. Combien de gens sont morts à cause du roi qui envie ce que Dieu a donné au peuple? Naboth a été tué à cause de l'héritage qu'il a refusé de vendre. La terre de ce Congo, je ne peux pas vendre ça. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Écoutez bien. Je bénis Dieu pour nos mamans. La femme est forte, très forte. Elle peut changer tout dans une famille. Beaucoup de gens négligent les femmes. Et moi, j'apprécie les femmes. Non, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Je n'hésite pas, même si je n'ai rien, je n'ai juste peu de quoi que je peux avoir dans ma poche. Si ma mère me parle, dit, j'ai besoin de quelque chose. Je vais la regarder, je dis, tu sais que je vais donner ce comme ça que tu parles comme ça. Parce qu'une femme, il y a une femme qui a dit, je ne me dérange pas que mon mari soit à la tête. Parce que beaucoup de femmes souffrent de ça. Écoutez bien les mamans.
Une femme a dit, je ne me dérange pas que mon mari soit à la tête aussi longtemps que je peux être le cou. Je vais tourner cette tête-là partout où je vais. Vous savez, si le cou refusait de tourner, la tête souffre. C'est que vous avez mal dormi. Vous savez ça, non? Si le cou refuse de dire aujourd'hui, je ne tourne pas. Vous savez comment vous allez commencer à tourner? Si vous voulez regarder à droite, vous allez faire ça. Parce que le cou a refusé. La force d'une femme. C'est ce qui est arrivé au roi Akab. Il est rentré avec son envie déçue que Naboth a refusé. Jézabel le regarde et dit, pourquoi tu es triste, toi un roi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il ne voulait même pas manger. Et quand il a ouvert son cœur à Jézabel, on dit, voilà, voilà, il dit, ah, toi aussi. Un roi va pleurer à cause... Oh. Laisse ça entre mes mains. Je vais bien gérer ça. C'est elle qui a écrit la lettre. Et il a dit seulement au roi de mettre les sceaux. La lettre d'appeler les gens, faire une prière et on met Naboth au-dessus. Fais attention avec d'autres élévations. Je disais, fais attention avec d'autres élévations. Les gens peuvent te lever pour te faire tomber. Ce jour-là, je pense qu'on disait à Naboth que tu vas diriger la prière de toute une nation, de toute une cité. Pour lui, il a informé aux amis, le roi m'a choisi, le roi m'a choisi, je vais diriger la prière. Moi, oh, Dieu est grand. Fais attention, il y avait un piège. C'est comme ça quand il y a une promotion qui arrive. Il faut toujours prier Dieu. Seigneur, je sais que c'est une promotion. Que dis-tu par rapport à cette promotion? Vous connaissez l'histoire, il a été tué. Après sa mort, la Bible dit, Élie le prophète était quelque part. La parole de l'Éternel arrivait à Élie. Il dit, Élie, mets-toi debout. Va dans la maison d'Akab. Dis-lui ceci. De la même façon qu'ils ont tué cet homme, de la même façon qu'ils vont mourir. De la même façon que les chiens ont léché le sang de Naboth. C'est de la même façon que les chiens feront pour le sang de cette famille. Élie est venu, il a déclaré sur Akab. Vous savez comment Jézabel était morte? Jetée par la fenêtre. On ne joue pas avec l'héritage. Dis à quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton voisin, dit, on ne joue pas avec l'héritage. On peut tuer les propriétaires ou les gardiens de l'héritage, mais l'héritage va toujours crier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça, je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, quand on prie pour notre terre ici, prions pour l'héritage. Je parle à quelqu'un? Seigneur, tu nous as donné l'héritage. Que personne ne prenne notre héritage. On ne va pas vendre notre héritage. Ça nous appartient. Et Dieu va combattre pour l'héritage. Abraham a envié le cœur. Et il a failli rater sa destinée. Il y a eu famine là où il était. Il a vu que dans l'Égypte, il peut recevoir quelque chose. Abraham s'est déplacé pour aller en Égypte. Écoutez, quand on envie les pécheurs,
on nous cause du tort nous-mêmes, ça amène beaucoup de mauvaises choses dans nos vies. Agar est venue à cause de la visite d'Abraham en Égypte. S'il n'était pas parti en Égypte, il n'allait jamais avoir Agar à ses côtés. Parce que Agar a été donnée à Abraham comme servante par Pharaon. Quand on les chassait, quand ils ont compris qu'il était le mari de Sarah, la Bible dit, on l'a chassé, mais on a quand même donné des choses. Donc, on lui a donné des troupeaux, il y a des chameaux, et il y a aussi des serviteurs qu'on avait donnés à Abraham. La visite en Égypte a causé à Abraham beaucoup de choses. Ça a causé la séparation entre lui et son frère, ou son neveu. Ça a causé la séparation. Pourquoi? Les choses qu'on lui avait données, c'était nombreux. On devait partager avec son neveu. Et après, ce sont devenus nombreux. Il y avait la discussion, les disputes entre eux. Ils devaient se séparer à cause de l'Égypte. Agar était là. Elle est devenue la mère des Palestiniens, des Arabes, qui aujourd'hui ne s'entendent pas avec les Israéliens. C'est comme ça que je dis souvent, dans mon cœur, je ne me sens pas à la hâte de visiter Israël. Vous savez pourquoi? Je visiterai Israël sans visa, sans avion. On va revenir du ciel comme roi, avec Jésus. On descend. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les réunions de paix qu'ils sont en train de faire, si toi tu vois cette paix-là entrer entre Israël et les Palestiniens, dis-toi que tu es resté. Moi, je ne verrai pas ça. C'est comme ça quand je vois, oh, le président tel a fait ceci, je dis, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Alléluia. Parce que si je vois ça, je ne verrai pas. Tu ne dois pas même dire si je vois ça. C'est lui qui verra ça. Dis-toi que l'église est déjà partie. Selon les Écritures, la paix ne peut qu'entrer après le départ de l'église. Vous savez pourquoi? Les deux là sont les enfants des mêmes pères. La terre qu'on dit pour Israélite là, c'est la terre pour Arabe. Héritage causé par l'envie. Il a envié Égypte et il a trouvé Ismaël. S'il n'avait pas envié Égypte, Agar n'allait pas être là. Fais attention à ce que tu envies. Ça peut te causer du tort. C'est comme ça que le deuxième point dit, que ton cœur craigne l'Éternel tous les jours. N'envie pas les pécheurs, mais que ton cœur craigne l'Éternel tous les jours. Et c'est ça la mentalité du royaume. Tous les jours, je dois avoir la pensée de craindre l'Éternel. On ne dit pas chaque lundi, chaque mercredi, ou le jour impair. Non. Oh, le jour père. Non. Chaque jour. On ne dit pas seulement le dimanche. C'est comme ça, vous verrez que vous avez le temps. On a la prière ici, tu restes à la maison. Craignez l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, crains l'Éternel tous les jours? C'est ça la mentalité du royaume. C'est comme ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Jésus-Christ parle du royaume. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux.
versets 31-33. Il dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. C'est les païens, c'est les pécheurs qui ont besoin de tout cela, les choses du monde. Vous cherchez d'abord le royaume. Cela veut dire tous les jours. Vous savez, la Bible n'a pas dit chercher et trouver le royaume. Elle a seulement dit chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne va jamais trouver le royaume ici sur la terre. C'est comme ça qu'on doit chercher le royaume tous les jours. Quand tu te réveilles demain, tu lis les mêmes versets, ça va te dire cherche. Les jours suivants, tu vas lire, ça va te dire. Il n'y a personne qui va se lever un matin et dire, moi j'ai déjà trouvé le royaume, mais c'est fini. Non, on continue à chercher le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça, si vous lisez dans le livre d'Hébreux chapitre 11, vous descendez, vous allez voir. Ça m'a choqué de sentir que, des fois on prêchait sur Isaac comme si c'était la foi d'Abraham. Mais au contraire, Isaac n'était pas la foi d'Abraham. Parce que Abraham cherchait à trouver une cité construite par Dieu, pas par les humains. C'est comme ça que Dieu va dire, ils ont quitté en saluant la foi de loin. Ils n'ont pas pu voir. Cette fois, je dis, mais attends, Abraham, on parle de la foi comme Isaac. Mais comment Isaac n'est plus la foi? Le royaume. Ils cherchaient le royaume. Et ils n'ont pas trouvé le royaume. Ils sont partis. Continue à chercher le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce royaume, on trouve ça en Jésus-Christ. Pas dans une autre personne. C'est en Jésus-Christ qu'on trouve le royaume. Parce qu'il a dit un jour aux disciples, le royaume des cieux est parmi vous. Il parlait de lui. Je suis le royaume. Celui qui a trouvé Jésus, il a trouvé le royaume. Écoute, il faut maintenant continuer à marcher avec le royaume. Parce que si tu abandonnes, il t'abandonne. Ne perds pas le royaume. Ne laisse pas les soucis de ce monde te faire perdre le royaume. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur, je te suivrai partout. Ne perds pas le royaume à cause de ton travail, parce qu'on t'a demandé de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Toi, tu dis, ah, ça, il y a ça, il y a un côté. Il y a de ces patrons ici, dans notre pays, qui avant que Bazorona Moussala, si tu es une femme, tu dois sortir avec lui. Pas à cause du travail. Garde ton cœur pur, comme David qui va dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ne te laisse pas à cause de choses de ce monde. N'envie pas les pécheurs. N'envie pas ton frère à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ce qui va vous aider à ne plus envier ton frère dans l'église. Nous connaissons l'histoire de Semer dans la Bible. Amen. Il a semé sur combien de terres? Pardon? 4. Merci. Combien de terres ont donné, ont poussé la semence? Pardon? Voilà. C'est ça le cas de l'église. On a toujours eu un seul semeur, un seul message. Mais le résultat, c'est différent. Vous savez pourquoi? Vous pouvez vous asseoir à 5 comme vous êtes là. Et la parole sort. Entre vous là, peut-être il y a une seule personne qui suit bien ce que Dieu est en train de dire. Et à la fin, vous allez voir votre frère développer quelque chose. Tu regardes, ah, mais tu kota ki bisonyo sona kilti tozaki, to vandaki, pasteur azao sambe, les aïpona bisonyo. Comment lui, le problème c'est quoi? Un seul semeur
une seule semence, mais différentes terres. Au lieu maintenant d'envier ton frère, change ta pensée. Dis, Seigneur, je vais être cette bonne terre-là qui va recevoir et donner un fruit. Troisième. J'ai quatre points. Je donne le troisième et puis je vais terminer avec le quatrième. C'est toujours dans ce livre de Proverbes 23, 17 à 18. On a commencé par n'envier pas les pécheurs. Deuxièmement, c'est quoi? Craindre l'Éternel. Et troisièmement, il dit, car il y a un avenir. J'aime bien ce Dieu. Il ne faut pas envier les pécheurs. Crains Dieu. Pourquoi? Il y a un avenir. L'avenir ne vient pas avant de craindre Dieu. L'avenir vient après avoir accepté de craindre Dieu. Tu marches dans la crainte de l'Éternel. Il y a un avenir pour toi. Je dis à quelqu'un, il y a un avenir pour toi. Je répète encore, il y a un avenir pour toi. Vous savez, quand on parle de craindre Dieu, c'est même dans des situations difficiles, nous craignons Dieu. Mais l'avenir que Dieu a pour nous, c'est un avenir merveilleux. C'est comme ça, il va dire dans le livre de Jérémie, car je connais les projets que j'ai pour moi, pour vous. Vous savez pourquoi il disait ça? Les Israélites ne voulaient pas construire, se marier dans la terre de la captivité. Dieu dit, si vous commencez un peu plus tôt, Dieu dit, mariez-vous, construisez. C'est moi qui connaissais les projets que j'ai pour vous. Je connais bien ce que j'ai comme projet pour vous. Ce n'est pas. Si vous ne construisez pas, vous ne vous mariez pas, vous pensez qu'un jour vous allez quitter ces lieux et c'est alors que je vais faire. Non, non, fais d'abord ce que Dieu te demande de faire là-bas. Amen, amen. Amen. Tu es dans un travail, même si tu aspires à un bon, un grand, je ne sais pas moi, travail, après, travaille d'abord là où tu es. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Pour que tu aies de l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, travaille d'abord bien là où tu es. Il y a un avenir. Shadrach, Meshach, Abednego. Si vous ne vous agenouillez pas, vous n'adorez pas les statues, on va vous mettre dans le feu. Est-ce qu'on va craindre Dieu ou bien on va craindre le fait? Craignons Dieu. Vous allez mourir. Craignons Dieu. Et quand on craint Dieu, il y a un avenir. Pour dire quoi? Ils ne connaissaient pas l'avenir que Jésus-Christ va les visiter dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on craint Dieu, il y a un avenir que Dieu a pour nous. Dans la crainte de l'Éternel, David dit, je triompherai. Quand je marche dans la sainteté, je vais triompher. Craignez l'Éternel, il y a un avenir pour vous. Quand tout le monde ne voit pas l'avenir, mais Dieu voit un avenir pour toi. Je disais, Dieu voit un avenir pour toi. Dis à quelqu'un, j'ai de l'avenir entre les mains de mon Dieu. Il y a un avenir pour toi. Que le diable le veuille ou pas. Je n'envie pas les pécheurs. Je crains l'Éternel tous les jours. Parce qu'il y a un avenir pour moi. L'avenir de réussir. L'avenir de progresser. L'avenir d'avancer. Ah, j'aime bien ce Jésus. Dans le feu. Jésus est venu. Oh, Betalisolo. Ce jour-là au ciel, je vais demander à Shadrach, Meshach, Abednego. Vous avez solani naïs. Il solo à moto.
quand on grandissait, je ne sais pas si ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, quand c'était dans le temps de, hein, on appelle ici saison sèche, on a compris, il y a plus que saison sèche de l'autre côté ici. Mais nous bénissons Dieu pour notre saison sèche. Amen, amen. On restait tout autour du feu le soir avec les amis. Hein? On se réchauffe un peu. Mais ce jour-là, Jésus-Christ dans les faits avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ah, Père, on est là, on nous a jetés ici. Oh, calme, calme, calme. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je prépare une visite au monde. Je viendrai comme un enfant, je vais naître. Ah bon, c'est ça. Ah, oui, je te dis. On est en train de préparer. Il y aura une femme qui sera couverte de l'Esprit Saint et qui va devenir enceinte. Oui, je vais sauver l'humanité. Dis à ton voisin, l'isolo monte, l'isolo monte. Très important. Il y a un avenir. S'ils avaient refusé d'obéir ou de craindre Dieu, l'avenir de voir Jésus, c'était, ça allait être difficile. S'il y a eu des gens qui ont vu Jésus, Shadrach, Meshach, Abednego, ils l'ont vu. Il est entré, il dit, vous savez pourquoi vous ne brûlez pas? Parce que moi, votre Père, je suis le feu dévorant. Parce que vous savez, ça peut te troubler. Tu es dans le feu, mais tu ne brûles pas. Mais toi aussi, Katen, c'est comment ça? Jésus, on te dit, calmez-vous, calmez-vous. Que la paix soit avec vous. Vous ne vous brûlez pas parce que vous êtes les enfants du feu dévorant. Le feu du monde ne peut pas dévorer le feu dévorant. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime bien ce Dieu. Bobo n'a pas un assez beau pour n'a pas un ensemble. Souvent, il n'a pas talent à la télé, ma caca. J'aime bien ce Dieu. Il y a un avenir et Dieu va te visiter. La dernière des choses, il dit, et ton espoir ne sera pas anéanti. Quoi? Ton espoir ne sera pas anéanti. Il y avait famine en Israël, et le prophète Élisée est parti chez le roi et dit, roi, demain à cette même heure, le ciel va nous visiter. Et il y avait un officier à côté du roi, il dit, même si Dieu va ouvrir les écluses des cieux, une telle chose ne se fera pas. Élisée lui dit, tu verras ça de tes propres yeux. Mais tu n'en mangeras pas. Je crois que c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. La Bible dit, j'aime bien ces dieux. Les jours suivants, très tôt le matin, 4 lépreux. Est-ce que tu peux dire 4 lépreux? Voilà. Les lépreux, ce sont des gens qui étaient rejetés selon la tradition israélite. Rejetés, ils ne peuvent pas être parmi le peuple. Ils sont impurs jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Leur famille, connaissances, camarades ne peuvent plus être à côté d'eux. Maintenant, le lépreux, 4, se réveillent un matin, ils se disent, ah, on a faim. Les ndika et les bikedi qu'on mangeait ici, on n'en trouve plus. Ah. Et tous les kangas journée, on n'a plus ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les camps ennemis.
Parce que si on reste ici, on va mourir. C'est mieux de mourir là-bas au lieu de mourir ici. C'est comme ça que quelqu'un a dit, c'est mauvais d'échouer parce que vous n'avez pas essayé. Mais c'est bon d'échouer, mais tu es en train d'essayer. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, ah, ça ne va pas marcher, tu n'essayes même pas. Non, il faut continuer à faire quelque chose. Si on reste ici, on va mourir. C'est mieux d'aller mourir de l'autre côté. Parce que là, on va trouver quelque chose. Votre espérance ne sera pas anéantie. Et espérance de lépreux. J'aime bien ces dieux. Ça n'a rien à voir avec mon état de santé. L'espérance, c'est toute une vie. Ah, je parlais à quelqu'un, je disais, l'espérance, c'est toute une vie. Ce que tu as comme espoir, c'est ce qui te fait vivre. Vous savez pourquoi on n'abandonne pas? C'est parce que cet espoir-là est toujours dans ton cœur. J'aurai ça. J'arriverai. Ah, je le ferai. Ça va marcher. Je serai guéri. Ah, je trouverai ma femme. Je trouverai mon mari. Mes enfants vont se marier. Mes enfants vont terminer leurs études. Ah, ma famille est bénie. L'espoir là. L'espoir. Il marchait, 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 marchait. Les camps ennemis ont entendu comme si c'était des chars. Les chars de feu. Ils se sont dit, je pense que les Israélites se sont légués avec d'autres nations. Ils viennent contre nous. Dans la tika ma colonna et qui mis sabat. Je sais que je vais clôturer, mais j'ai senti en moi une onction de dire à quelqu'un, si tu veux faire ce signe prophétique avec moi, de faire tes pieds comme si tu marchais. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Maintenant, dans ta pensée, dans ton espoir, c'est ce que tu veux. Maintenant, quand tu le fais, tu vois que tu te diriges vers la chose. Tu vois que tu avances vers la chose. Et Dieu va te la donner. Ton espoir ne sera pas anéanti. Est-ce que tu peux le faire au nom de Jésus? Dis, je marche au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Je perce au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ma famille est délivrée. Continue à faire ça. Ma famille est délivrée. Ah. Si les lépreux pouvaient faire fuir toute une nation, moi je ne suis pas lépreux. Dieu m'a déjà libéré. Je suis pur dans le sang de l'agneau. Alors, mes pieds, les sons de mes pieds feront encore entendre des tonnerres dans le camp de mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. On reste debout. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Je vais inviter ceux-là qui quelque part ne vivent pas dans la crainte de l'Éternel. Tous les jours, je précise tous les jours. Et ceux-là qui veulent aussi entrer dans le royaume de recevoir Jésus-Christ. J'appelais deux catégories. Ceux-là qui ne craignent pas Dieu tous les jours à cause des choses de ce monde. Et
ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Si tu es là, avance vite. Je vais prier avec vous. Merci Seigneur. I surrender all. I surrender all. All, all, all to thee.